En Italie, la persévérance des secouristes récompensée. Ce jeune garçon et sa maman ont pu être sortis vivants des décombres près de 2 jours après l'avalanche qui a enseveli l'hôtel Rigopiano. Au moins 4 personnes ont pu être extraites vivantes des décombres ce vendredi. Ils ont survécu grâce à une poche d'air qui s'est formée à l'intérieur de l'hôtel. Les trouver a été très difficile, il a fallu travailler au milieu des décombres et aussi de la neige. La maman et son fils ont été conduits à l'hôpital. Pour les autres survivants localisés mais toujours coincés, les secouristes sont parvenus à établir le contact avec eux. Vendredi après-midi, 20 personnes étaient encore portées disparues. La progression des équipes de secours reste difficile, la structure risque de s'écrouler et une nouvelle avalanche est redoutée.